Yon l'autre fois, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mon Bad Mediana là, depuis Mon Bad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une longue vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager intéressés, pas oublier abonner avec Mon Bad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mon Bad Mediana là. Bien nous va perdre du temps. N'a commencé. Cool, yeah. Typique point cap domine actualité dans le journal là, Christian Emmanuel Sanon, jeune arrestation comme auteur intellectuel. Les assassinats qui fait sous président de la République là, Jovenel Moïse pendant le week-end dans la capitale pays Port-au-Prince d'après le directeur général pour petit bout de temps police nationale pays d'Haïti dans micro la presse. Plusieurs policiers qui étaient affectés dans la sécurité président de la République là, Jovenel Moïse sous mesure conservatoire, il n'y a pas de droit parti quitter pays hein, toujours dans le cadre enquête cap mené sous défunt président. Plusieurs citoyens invités pour répondre à la question paquet, tribunal première instance Port-au-Prince, jeudi lundi 12 juillet 2021, sous la mort, président République Jovenel Moïse, Patrick Vorob, Réginald Boulos, Yuri Latortu, et Stevenson Benoît, parmi les qui est invité pour répondre à la question paquet Port-au-Prince. Quelques jours après l'assassinat qui fait contre le président de la République, là, bataille, gros bataille pété entre le président Tiré Sénat, Joseph Lambert, avec Claude Joseph, Premier ministre AIA, pour connaître qui est capable de remplacer le président de la République, là, Jovenel Moïse, dans le palais national, assurer transition. Entre-temps, une délégation pays des États-Unis séjourné dans le pays, rencontré divers acteurs dans le pays, un président du Sénat, Premier ministre désigné Ariel Joseph, ensemble avec le Premier ministre intérim Claude Joseph. Ancien magistrat vie locale, Jean-Gabriel Fortuné, mon peuple haïtien, pour comprendre qui est qui était Jovenel Moïse là, pour les jeunes courage, pour lui coucher et toucher qui groupe qui était touillé des salines. C'est même groupe social ça qui assassinait le président républicain Jovenel Moïse d'après Jean-Gabriel Fortuné. Puis loin, c'est magistrat ville au Caïlan, Gabriel Fortuné déclaré, vendredi 9 juillet, c'est sécurité président Jovenel Moïse même qui t'a livré le assaillant pour tout yéli. D'après Gabriel Fortuné qui était également comme conseiller Premier ministre. Porte-parole espace réflexion action citoyenne, professeur Christian Fremont, fait connaître avec un peu de tristesse. Je apprends les assassinats qui fait contre le président républicain Jovenel Moïse. Il profite de dénoncer tout. Présence Claude Joseph, dans tête primatie, qui a décidé non non l'État pays d'Haïti. Coordonnatrice Plafoda, Mme Louisette Vertilus, condamnée à toutes forces d'assassinat contre le président Jovenel Moïse, ensemble avec Première Dame Martine Moïse, en 2006, pour ouvrir 7 juillet 2021. Président Fédération Syndicat Ancien, Yonat Simoni, professeur Didier Pierre, présenté sa partie de la famille à proche président Jovenel Moïse, qui mourit assassiné dans la date du 6 pour 7 juillet 2021, la Cali, dans PLR5, dans la commune Pétionville. La police pays d'Haïti mettait en bas code docteur Christian Emmanuel Sanon, qui chef opération d'assassinat qui fait contre le président républicain Jovenel Moïse en 86 pour le 7 juillet 2021. M. Emmanuel Sanon, il gagnait 63 l'année, c'est mon marigot, il entré dans le pays dans un avion privé dans le mois de juin 2021. Il participait à diverses réunions pour planifier Zaxila. Le jeune Lacaille Christian Emmanuel Sanon, Zam, le jeune Lacaille Noudour, le jeune Zam, Katouche, un pilote causé encore, selon Léon Charles, GPNH, le jeune Képi qui marquait, dit Lacaille Christian Emmanuel Sanon. Nous jeunes avec environ 20 boîtes de cartouches avec plusieurs plaques machines dominicaines avec plusieurs autres bagailles encore en dedans. D'après Léon Charles, le jeune note quelques correspondances qui est adressée à plusieurs secteurs en dedans pays d'Haïti. Dans ce sens, nous avons plutôt écouté le directeur général de la police nationale pays d'Haïti, Léon Charles, qui t'a apporté des précisions sur coup de filet ça. Il dit que la police fait qu'on a arrêté Christian Emmanuel Sanon comme auteur intellectuel des assassinats qui fait contre le président républicain Jovenel Moïse dans la nuit 6 pour l'ouvrir 7 juillet 2021, la Cali dans PLR 5, côté un commando qui lourdement armé entré, il a assassiné président, il dit c'est colombien avec nous qui a parlé espagnol, avec nous qui parlait américain. Nous invitons écouter des GPNH là. Nous identifions 26 colombiens qui font partie le commando ça qui a attaqué le président le 26, non, le vendredi à jeudi, il y a qui récupéré avec appui population en Colombien et bon, l'autre haïtien que nous arrêté. Donc nous avons beaucoup 18 Colombiens en détention, 5 en cavale, 3 décédés. Et 3 haïtiens, 2 l'autre qui étaient là déjà, que nous avons présenté vendredi dernier, plus aux haïtiens que nous arrêtés récemment. Monsieur Sarah, il est connu sous le nom de Christian Emmanuel Sanon, âgé de 63 ans, né à Marigot en 1958. Information ça te mène nous caille individu ça. Et m'a dit jusqu'à présent, c'est un individu qui était entré en Haïti à bord d'un avion privé avec des objectifs politiques selon l'information que nous avons. Il était pris en contact avec une firme d'investigation qui est responsable de la question de sécurité pour recruter des éléments, quelques éléments dans l'assaillance que nous avons mentionné déjà. Il est entré en Haïti au début du mois de juin, accompagné de quelques gens qui t'apprennent dans un premier temps assurer sécurité business league, tête pali en tant que président de la République. Mission qui était gagnée au départ, le débat à Sansao, c'était dans un premier temps pour assurer sécurité individuelle et Emmanuel Sanon, mais par la suite, ils sont changés. Bien entendu, information Sayo, nous recueillons une enquête, entrevue que nous gagnons avec bandit colombien Sayo en présence de interprètes et qui dûment autorisé pour faire ça. Mission ville changée, nous présenter par Yon Nassayassayo au mandat pour y aller procéder à l'arrestation du président de la République. Mandat ça très connu, la circulée, on connaît tout, on est. Et opération montée à partir de là. Il y a 22 lots assaillants qui viennent d'entrer, joint première équipe là. Et puis des contacts qui établis avec des ressortissants haïtiens. Christian Emmanuel Sanon, qui est maintenant sous contrôle de la police, il était en contact avec une compagnie spécialisée en sécurité, une compagnie vénézuélienne basée aux États-Unis. Nous, en tant que la police, nous bloquons pour progression bandit Sahel. Le fin perpétré comme ça, premier monde que yon nan sa yon relé, c'était Christian Emmanuel Sanon, qui prend contact avec de l'autre monde qui impliqué, que nous reconnaissons comme, nous la vidéo fois à mesure avec Elimario, comme auteur intellectuel de l'assassinat du président Jovenel Moïse. On a côté directeur général PNH pays d'Haïti, pour un petit bout de temps, M. Léon Charles, qui a réagi sur l'arrestation qui fait contre Christian Emmanuel Sanon, un personnage qui a 63 l'année, c'est mon Marigot, il a vécu dans le pays des États-Unis, et comme monde qui est accusé comme auteur intellectuel des assassinats qui fait sous le président de la République là. DGPNH a fait quoi que M. Emmanuel Sanon est rentré dans le pays à la fin mois de juin 2021 pour venir préparer Zaksa et il croit que d'après le mettre comme président. Gagné Premier ministre haïtien, Claude Joseph, Premier ministre Monsiboutan ou un Premier ministre sortant, lui-même tout, qui réagissent après l'assassinat qui fait contre le président de la République là, il va garantir que enquête cap faite pour libérer faite sous l'assassinat contre le président de la République Jovenel Moïse a abouti ou pas ouais. Pour ça, le d'acteur pour être tête frette, pas bien qu'un piqué devant cap fait dans le cadre dossier enquête ça. Mais ça, Premier ministre là, demande tout pour nous pour participer, collaborer pour capable joindre monde qui participer dans l'assassinat qui fait contre défunt président Jovenel Moïse. Et profite de parler tout de Madame Martine Moïse qui a recevoir soin dans le pays des États-Unis, Premier ministre haïtien Claude Joseph, quoique santé première dame non stable pour le moment. En écoutez Claude Joseph dans micro la presse. Principale préoccupation moi-même comme Premier ministre, c'est enquête président pour le capable de justice pour madame li capable de justice, première dame là, pour petit garçon li capable de justice, pour petite fille capable de justice. Pour également allier l'examen capable de justice. Et somme toute pour nation capable de justice. Je voulais féliciter tout le monde dans la population qui garde calme parce que peut-être plan qui gagne plusieurs étapes. C'était fin tuer président et population prend la rue pour te faire des chocages. Population depuis premier jour, il attendait appel gouvernement, appel premier ministre qui c'était un appel au calme. Nous remercions la population parce que l'intelligent et l'agit avec vigilance pour aider la police nationale à capturer Colombiens avec 2 Américains. Enquête là, c'est principale préoccupation parce que un président pas qu'à mourir dans les conditions que nous connaissons, torturé, humilié de façon la mort tragique. Merci à la communauté internationale, particulièrement aux amis aux États-Unis, qui déjà offrit aide dans l'investigation dans l'enquête. Parce que le gouvernement croit que faut enquête la faite avec toute transparence et c'est dans le niveau ça nous grave. Je vais adresser encore une autre fois avec les haïtiens pour me dire restez calme, nous-mêmes nous fait tout ça nous capable pour nous bailler le président pour nous faire de justice. Il y a pile fauteur en nos troubles. Nous connaissons effectivement un coup d'état, un assassinat comme ça, c'est pas un bagage qui est capable de être impuni. Nous, oui, nous comprenons ce qui a passé. Avec un pile de précipitation, je pense que je dis, il faut que tout acteur politique, il faut que tout le monde ensemble mette tête ensemble pour nous capables de faire une justice. Pas de monde qui doit précipiter. Parce que nous-mêmes, dans le gouvernement, ça intéresse nos principales préoccupations, c'est une justice, c'est enquête là. Nous avons précipitation, mais il a tombé par propre tête par eux. Parce que c'est la vérité qui peut blâmer, pas gagner, rien qui peut entraver le processus là, enquête là que la police a mené. On a écouté Premier ministre Haïti, paysan, Dr. Claude Joseph, les mêmes qui t'a réagi sur enquête qu'a faite contre président de la République, contre les assassinats qui fait sous le président de la République dans Jovenel Moïse, dont les populations pourraient être tête frette, parce que le président Jovenel Moïse a vu une justice, ouais, pas ouais. Mais le Premier ministre, j'ai profité de parler tout sur l'état santé, Première Dame, qui lui-même, depuis mercredi, la recevoir soin dans les États-Unis, en Floride, après que de recevoir 3 balles dans les assassinats. Premier ministre, fait quoi que l'état santé première dame vraiment stable. En écoutez. Ce qui est une bonne nouvelle, c'est que famille président, mais particulièrement madame Li, il subit une opération hier, mais l'état est en forme. Nous avons parlé plusieurs fois hier, elle a sorti dans la salle opération, nous été honoré que c'était le premier monde que nous avons relé pour te dire que la forme. Nous pas besoin d'inquiéter. De connaître ça, n'a géré là, le plus difficile. Derrière ça, il ne pas laisser personne indifférent. C'est ça que je remercie la communauté internationale là, et particulièrement le Premier ministre, chef gouvernement dans les Caraïbes là, secrétaire d'État américain, hein, président de ministre des Affaires étrangères turc là. Et ministre des Affaires étrangères pays Espagne, pour me citer ça seulement, parce que moi, recevoir en pile appel. Voilà, amis auditeurs, t'as écouté Premier ministre pour petit bout de temps, Jovenel, Premier ministre pour petit bout de temps, Claude Joseph, qui a réagi sur les assassinats du président public dans Jovenel Moïse, et dans le parti sale, t'as parlé sous état santé, première dame, Martine Moïse lui-même, qui te recevoir 3 balles dans la nuit 6 pour le 7 juillet 2021, après le fin de passer un petit temps, à observation dans l'hôpital Canapé Verte, il était pris un avion pour aller dans l'état Floride, dans le pays des États-Unis, pour aller recevoir soins que Cal mérité. Nous avons allé pour vous, dans le cadre d'un dossier et enquête qui a mené sous le président public, sous l'assassinat qui fait sous le président public, dans Jovenel Moïse. Il y a plusieurs policiers qui affectés dans la sécurité des fins présidents, eux-mêmes, quoi, il est là, qui pas capable de quitter le pays. C'est des mesures conservatoires que la police nationale apprend pour bloquer toute les policiers pour ne pas faire un paquita, un panago, pour être capable de continuer mener enquête sur eux. Mais entre-temps, pendant ce temps, il y a beaucoup interrogé et véritable monde qui travaille sécurité à président de la République là. Et par quel point de président a fait des fuites en avant, les cours a invité moun qui dans l'opposition, d'un coup, Patrick Vob, Réginald Boulos, Yuri Latortue, avec Stevenson Benoît, ils ont invité pour venir, ou encore, commissaire gouvernement de président, M. Bedford Claude, qui est invité pour venir présenter devant paquet point de président, jeudi lundi, 12 juillet 2021, sous les assassinats qui fait contre le président républicain Jovenel Moïse. Plusieurs d'entre eux annoncé qu'il y a présent et ils ont réitéré même ça, je te dis en particulièrement Stevenson Benoît qui fait quoi que c'est sécurité président même qui livre lui by assaillant parce que il n'est pas possible pour qu'un côté sur la terre pour un président de la République t'a perdu la ville et puis pour pas même on poule t'a mouru en dedans la cour en voir pour un chien. Donc selon Stevenson Benoît, qui est ancien sénateur républicain, il fait croire que donc c'est sécurité président même qui doit bailler comment président mourir et dans quelles conditions. Une délégation pays des États-Unis, Chita a parlé ensemble avec le commandement police nationale pays d'Haïti, qui était en tête du directeur général Léon Charles, a dimanche 11 juillet 2021, en dans local, direction générale police nationale. Chita a parlé de Chita, sous support que pays des États-Unis a porté par Haïti dans la lutte cap mené contre gang armé. Je parlé tout sur investigation qu'a faite par agent FBI, qui sorti dans le pays des États-Unis, qui a fourni un appui technique dans le cadre d'enquête cap mené sur assassinat qui fait contre le président républicain Jovenel Moïse en date 6 pour le 7 juillet 2021. Délégation ça a la dernière Ron Gonzalez qui sortit dans Western Hemisphere, affaires senior directeur du National Security Council. Il y a Laura Lochman qui est députée, assistant secrétaire qui est sorti dans le département d'État. Il y a Bruce Swartz qui est député, assistant attorney général qui est sorti dans le département de justice. Angel Castillo qui c'est dans Unit Chief International Operations, qui est dans FBI, Robert Pascal, qui est député, assistant secrétaire, qui est International Affairs, Office of Strategy, qui est également dans Policy and Plans, DHS. Gagné également Motelab, qui est dans Région 2, et c'est chef of Protective Security, dans Cyber Security et Infrastructure Security, et dans Agency, qui c'est CISA, qui c'est Department of Homeland Security. Bien, Gary Renfron, qui c'est assistant administrateur pour International Operations, et puis qui est dans Security Operations, Transportation Security Administration, TSA. Délégation Sanouzou, les échutes à parler ensemble avec le directeur général de la police, avec tout le commandement, sous question sécurité, sous comment appeler, dans les problèmes gagnants, également, dans l'enquête que FBI, qui est déjà sous terrain, qui a mené enquête sur l'assassinat qui fait contre le président républicain, Jovenel Moïse. Dans ce pour même délégation, ça, je t'ai parlé, ensemble avec dignité dans le pays, particulièrement, premier ministre, pour petit bout de temps, Claude Joseph, même genre, parler avec Ariel Henry, premier ministre nommé, et puis avec président Sénat haïtien, qui c'est Joseph Lambert. Il y a une information que tu as fait quoi que Joseph Lambert est sous route pour devenir président provisoire dans le pays d'Haïti. Mais il y a une autre information qui fait quoi tout que Michel Saat a rejeté choix Joseph Lambert. De toute façon, l'information continue à venir au fur et à mesure. On a posé plus de détails pour vous dans le journal 9h pour nous parler toute dernière information. En attendant, nous allons parler avec Gabriel Fortuné, qui est ancien magistrat à la ville Okaï, dans le département sud-pays, qui déclarait et c'est sécurité président Jovenel Moïse qui délivre lui par assassin pour capable de tuer. Monsieur Fortuné, qui est également conseiller président public là, vous tout condoléances par famille président, pendant le moment des populations haïtiennes pour commencer à préparer pour rendre un gros hommage. Jean-Gabriel Fortuné souhaitait pour la mort, ça, capable de réconcilier le peuple haïtien. En ce moment, il s'agit localement des communautés internationales là, pour l'ouvrir une enquête sérieuse sur l'assassinat qui fait contre le président républicain Jovenel Moïse, parce que ça, lui, est là, pas assez. Jean-Gabriel Fortuné. En tout premier lieu, nous présenter toutes condoléances. nos condoléances les plus sincères à madame, à petit. Madame qui couchait l'hôpital Miami, nous souhaitons nous prompt établissement. Nous partageons peine ça à tout avec chaque Grenadien. Jovenel Moïse tombé comme président, mais dans les circonstances, la façon qu'elle tombait, nous connaissons chaque Grenadien que nous touchons. Nous souhaitons que tout Haïtien, de quelque chapelle politique qui lui appartenu, quel que soit côté lié sur le territoire, là, surtout les paysans, nous avons commencé à préparer nous pour nous rendre un gros hommage à Jovenel Moïse. La funéraille est bientôt. Depuis la funéraille, là, il faut dire que la mort ça, est capable de permettre nous unir nous. La mort ça, est capable de permettre nous ressaisir nous. La mort ça, est capable de permettre nous réconcilier avec tête. Toute communauté internationale là partage sympathie, peine, tristesse, depuis le Vatican, en passant par le Canada, Washington, l'Europe, avec le peuple haïtien, avec la famille Jovenel Moïse. Je profite pour demander de mettre tête ensemble pour que une grosse enquête internationale, capable de faire lumière toute bonne sur la brosse. Je demande à la communauté internationale là pour que vous ouvriez une enquête internationale. La mort Jovenel Moïse. Ça nous c'est pas ça. Ça nous tendait, c'est pas ça. Le président a été livré. Le président Jovenel Moïse a été livré le 7 juillet 2021. Qui est-ce capable de livrer le président? C'est le monde qui a balle sécurité. Comment pour le monde qui a la sécurité à livrer le président, il faut qu'il reçoive l'ordre, il faut qu'il reçoive l'instruction. Et peut-être supérieur hiérarchique immédiat, mais il y a une instruction politique qui baille tout pour livrer le président. Ça cap domine l'actualité, hein, c'était Christian Emmanuel Sanon qui vient d'arrestation comme auteur intellectuel d'assassinat qui fait sous président républicain Jovenel Moïse dans la nuit 6 pour le 7 juillet 2021. Pardon. Emmanuel Sanon, son monde qui a 63 années, son haïtien, est fait dans Marigot. Entre-temps, plusieurs policiers qui étaient affectés dans la sécurité des fins présidents, qui ont musique conservatoire contre eux, ils ne sont pas capables de quitter le pays dans l'enquête Capenin sous assassinat contre le président républicain Jovenel Moïse. Entre-temps, il y a paquet de presse qui a invité Patrick Vaub, Réginald Boulos, Yuri Latortue et Stevenson Benoît, puis présenté devant nous jeudi lundi 12 juillet 2021 sous la mort Jovenel Moïse. Bataille à la consignat a fait entre président Sénat, Joseph Lambert avec Claude Joseph, premier ministre Haïtien avec Ariel Henry pour qu'on ait qui est-ce qui va occuper le fauteuil bourré dans la place président républicain Jovenel Moïse. Et puis en délégation pays des États-Unis, a séjourné dans le pays là, il a déjà chita parlé avec le commandement police là, et il a chita parlé également avec ancien, bon encore avec président du Sénat, Joseph Lambert, Claude Joseph, avec docteur Ariel Henry. Les amis auditeurs, pour savoir avec diverses sortes, sont fait essentiel. Journal Levé Campé pour jeudi lundi 12 juillet 2021. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché, pour tes captandés. Dernière information. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là. Et toujours songer pour activer cette cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous. Son pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.